thank <music> you Qu'est-ce qui m'a donné le goût de venir travailler à Québec, <laughs> la belle ville de Québec d'abord? C'est une bâtisse qui, est, qui avait de l'âge, qui avait déjà presque 40 ans quand je suis arrivé. Euh, c'est une bâtisse qui est remplie de défis, justement parce qu'elle est vieille, parce qu'elle a de l'âge. C'est une bâtisse qui est très complexe au niveau électromécanique. Ça fait que c'est un petit peu ce qui m'a amené ici. Si ça avait été un édifice neuf, je serais, je serais carrément pas venu là. Euh, au niveau électromécanique, le grand Théâtre était très bien entretenu. Au niveau euh, béton, euh, c'était une autre chose, mais c'est un édifice des années, euh, des années de béton que j'appelle des années 70. Euh, donc, euh, au niveau béton, quand je suis arrivé en 2004, il tombait des éclats qui étaient la grosseur d'une rondelle de hockey. Puis le public venait s'asseoir au pied des colonnes euh, l'été quand il faisait beau soleil, et à tout bout de champ, il tombait euh, de 55 pieds de haut, il tombait euh, une poque de hockey, si on veut, mais en béton. Ça a été le premier son de cloche euh, à mes oreilles, du moins euh, de suite, quelques mois après que je sois arrivé. pour dire, euh, wop, il y a quelque chose. À... Tu as un défi de ce côté-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Théâtre est le résultat d'un concours d'architecture. En 1964, dans le cadre des fêtes du 60e anniversaire de la, de la Confédération qui s'en vient, euh, il y a un programme gouvernemental qui est mis sur pied pour doter les différentes villes canadiennes d'équipements euh, sportifs et culturels. Et euh, on décide ici à Québec euh, de construire un, une salle de spectacle euh, moderne qui était un, un besoin important là, pour la ville. Parmi les trentaines de de projets qui ont été soumis au concours. C'est euh, l'architecte Victor Proust, euh, d'origine polonaise, mais qui euh, est un architecte de Montréal à l'époque, qui a remporté le concours. Une des missions du grand théâtre, c'était d'accueillir les, les grands organismes de Québec. L'orchestre symphonique qui jouait un peu partout, euh, le Trident, qui était un théâtre qui était créé euh, par la, la combinaison trois compagnies, et l'opéra avait enfin un lieu professionnel avec, euh, par exemple, la scène Louis-Fréchette sur laquelle on est. Ça fait partie des trois plus grandes scènes au Canada avec le Centre national des arts euh, et la place des arts. Dès 2004, quand j'ai réalisé qu'il y avait des, justement des éclats de béton qui tombaient, j'ai engagé des, une firme d'alpinistes, de, de, des cordistes qu'on appelle aujourd'hui, pour se promener partout sur l'édifice et enlever tous les, les, les fragments de béton. Tombait. Plus tard, on a essayé de, de sceller les colonnes. On a fait un test en mettant un produit imperméabilisant sur les colonnes euh, de béton pour voir quest ce que ça allait faire et voir si ça allait régler le problème ou pas. Euh, L'objectif était d'essayer de sceller le béton pour éviter que euh, la pluie, euh, l'eau pénètre dedans et euh, le, le, avec les cycles de gel-dégel, que le, le, le béton continue d'éclater. Finalement, euh, ça n'a absolument rien, rien, rien changé. Et c'était quelque chose qui aurait été à faire aux trois ans. Puis ça coûtait quelque chose comme 300-400 000 à chaque fois. fait que c'était juste pour les colonnes. Donc c'était pour toute la bâtisse, c'était complètement irréaliste. Au travers les expertises qu'on a faites, on a découvert que les... non seulement le béton se désagrégeait à l'extérieur, mais les ancrages des panneaux de béton qui sont situés à l'intérieur du mur, eux commençaient à rouiller, puis la rouille éclatait. Donc là, c'était. C'était rendu critique parce que c'est l'ancrage qui tient le panneau qui lui-même est, est en train de lâcher. Donc, ça aurait, le panneau aurait tout simplement pu tomber. Ce qu'on percevait comme étant la grande carapace de béton robuste qui protégeait finalement l'œuvre fragile, euh, majestueuse de Jordi Bonnet, Et, ben, on se rend compte avec le temps qu'elle n'était pas si forte, la carapace. Hein? Quand il y a une plaque de béton qui est tombée euh, d'un édifice à Montréal, euh, ça a eu pour effet. Oui, c'est sûr que ça sensibilisait les gens, mais en même temps, en 2012, on était en pleine coupure budgétaire, donc on n'était pas, pas capable d'avoir l'argent pour restaurer encore. Il a fallu pousser plus loin nos, nos démarches. Puis on est ressorti euh, plusieurs études au travail, plusieurs années, euh, pour arriver tout à, à la même conclusion que euh, ça prenait absolument... Euh, il n'y avait, avait pas de solution simple. Ça prenait vraiment un investissement majeur. Sinon il y avait pas euh, la bâtisse était laissée à elle-même. Je dirais que le bâtiment ici présent a été conçu un petit peu euh, en parallèle de d'autres projets, disons, à l'étranger, peut-être plus aux États-Unis, où le béton était en vogue. Le béton a été aussi utilisé au Canada euh, beaucoup, mais à cette époque, c'était la nouvelle façon de construire, c'était le nouveau matériau plastique. Euh, qu'on pouvait travailler, modeler. Donc, euh, c'était normal qu'ils veuillent utiliser ça, mais euh, toutes les recettes, disons, qui ont été peut-être un peu copiées pour euh, la conception euh, technique du bâtiment, ont été importées de climats qui n'étaient pas celui de Québec ou du Québec. Après, après coup, on voit que c'est quand même complexe, le, 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 le béton. C'est des mélanges, des réactions chimiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quand même un matériau qui, qui est économique et qui est intéressant, mais il y a des paramètres à respecter. Il faut bien les respecter, sinon on peut avoir des problématiques là, pour le futur. Mm -hmm. là. Une des particularités du Grand Théâtre, c'est qu'on contrôle l'humidité partout dans la bâtisse. Chose qui se fait pratiquement pas dans aucun autre édifice. L'hiver, l'humidité dehors est à 5-10 Pour les chanteurs, pour les instruments en bois, pour leur donner une meilleure qualité de, de, de salle, avoir ça, toutes les installations optimales, si on veut. Le taux d'humidité autour de 35-40 dans l'édifice. Euh, mais le fait d'avoir justement de contrôler l'humidité, c'est une des choses qui nous cause des problème. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de coupe vapeur. C'est tout simplement. Un... En bon français, un styrofoam blanc comme nos, nos grands-pères collaient le, sur, le, le, sur les solages des sous-sols. L'humidité traverse l'enveloppe, rentre dans les pores du béton. Avec le cycle de gel-dégel qu'on connaît au Québec, ça fait que l'eau gonfle et fait éclater le béton à l'extérieur. Donc, une fois éclaté, euh, l'armature devient exposée et vient être corrodée. Donc, c'est un phénomène qui amplifie avec le temps. Donc, euh, les petits morceaux de béton, les éclats qui tombaient au sol deviennent de plus en plus gros. Euh, et puis là, ça devient dangereux au niveau de la clientèle qui circule au périmètre du bâtiment. Et ça devient aussi dangereux pour euh, le l'intégrité même du bâtiment, puisque les panneaux peuvent se décrocher vu que les ancrages sont affectés. Tant qu'on n'a pas réglé le problème d'humidité qui rentre dans le panneau, puis qui est exposé au cycle du gel et du dégel tout le temps de façon régulière, bien, le problème se répète tout le temps, puis on met des investissements tout le temps, et des fois ça prend un investissement majeur pour revenir au bon principe. J'ai toujours eu comme principe qu'une image vaut le mot dans tous les éclats de béton qui tombaient. Mes employés les ramassaient. Alors on a mis ça dans un 5 gallons. La première année, on ramassait carrément un 5 gallons rempli d'éclats de béton. Pendant la réunion, quand j'ai vu que ça tournait en rond, je suis allé chercher mon 5 gallons, je l'ai amené à côté des dirigeants et je l'aurais mis directement sur leur papier eux autres. Avec le commentaire disant, vous venez souvent au Grand Théâtre avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos amis. Faites juste penser si un de ces morceaux-là tombe sur un de vos autres. Ça a permis de débloquer plein de choses. Le point tournant euh, dans l'analyse de, 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 de la situation, c'est un rapport qui a été euh, soumis conjointement par spécialistes architecture, enveloppe-bâtiment puis ingénieurs en structure. Eux autres ont déposé un rapport en disant il n'y a rien à faire, ça prend absolument une intervention majeure, sinon le grand théâtre est voué à sa belle-mort. Donc, vous n'avez pas le choix, vous vous intervenez ou vous le laissez aller puis vous le fermez dans quelques années. Le rapport a été déposé à la direction, qui l'a fait suivre avec la mention urgent. Ils l'ont fait suivre au ministère, et puis 20 minutes après, il y avait un, un appel du ministère pour voir exactement c'était quoi, puis ils voulaient avoir une copie de, de l'étude. Alors, ça, c'était un défi. Comment protéger l'enveloppe extérieure d'un bâtiment tout en préservant son intégrité? Alors, euh, puis le deuxième problème du Grand Théâtre, c'était. Euh, l'air très humide à l'intérieur, qui est nécessaire pour les opérations du Grand Théâtre, pour les instruments, pour la conque d'orchestre. Alors, donc, il fallait régler ces deux problèmes-là. À partir du moment où le rapport des, des spécialistes est déposé, on connaît bien le problème, on sait qu'il n'y a pas de solution facile, Bien, on, on partait à l'aventure. Normalement, euh, au gouvernement, on fait des plans et devis, puis on demande à des gens, des entrepreneurs, de nous dire combien ça va coûter faire ces plans et devis-là. Là, on n'avait pas de solution. Donc, on allait chercher une solution qu'elle allait être créée de toutes pièces. Alors, donc, il euh, y a eu des consultants qui ont travaillé avec le CA, avec l'équipe de direction de l'époque aussi, pour vraiment se donner un cadre très rigoureux euh, pour réaliser ces travaux-là. Donc, ils cherchaient une, une solution et des entrepreneurs qui allaient arriver avec un, un ébauche de solution, euh, parce que c'était vraiment des propositions euh, générales au moment du choix de l'entrepreneur, et puis c'était développé euh, en cours d'un projet de conception-construction. Donc, euh, un work in progress, comme on dit dans le milieu. Là, tout le projet s'est fait ici là, en mode conception-construction. Ce que c'est, c'est qu'on travaille dès le jour 1 avec une équipe transdisciplinaire. Euh, tout le monde est impliqué dès le départ lors de la conception. Donc, ça incluait les, les sous-traitants, ça incluait euh, euh, l'entrepreneur, ça incluait les professionnels. Puis, euh, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas vraiment de distinction entre l'étape de la conception puis de la construction. Euh, contrairement aux projets normaux, euh, où est-ce qu'il y a des professionnels puis on, on devient sous-traitant, euh, là, on était dans l'équipe de conception-réalisation. Euh, on n'avait pas d'autre option que d'avoir une solution qui était gagnante. Si à la fin, même si nous, Metal Presto, on exécutait les travaux adéquatement, mais qu'on on partageait pas les informations qu'on avait de façon à ce que le projet, à la fin, livre ce pourquoi il a été conçu, on arrêtait arrêté dans, parmi les problèmes et non pas parmi les solutions parce que c'est un concept global. On était dans l'équipe de conception. On avait une obligation de résultat au global. Pas juste en structure. Dans le cas présent, on avait tellement de contraintes qu'il fallait avoir tout le monde autour de la table. En fait, il faut comprendre que quand on intervient sur le projet, on intervient non seulement sur l'œuvre de Victor Pruss, mais aussi sur celle de Jordi Bonnet. Donc, murale qui couvre 60 de la superficie de l'enveloppe extérieure, une des plus grandes murales au monde. Donc, on devait préserver cette murale-là qui, même si elle est faite en béton, elle est hautement fragile. Le temps l'attaque, elle aussi. Euh, c'est installé sur un treillis de béton relativement léger, donc on voit un peu les fissures, les marques du temps apparaître, c'est normal, c'est plus de 50 ans, donc un peu comme tout le monde, elle vieillit. Euh, mais on doit la préserver. Et là, la, qui dit fragilité, bien dit les méthodes d'intervention ne doivent pas avoir trop de vibrations. Tant pour nous, c'était de la minutie au niveau de la, de la conception, tant pour ceux qui ont réalisé, c'était de la minutie. Au lieu de donner des gros coups de marteau, ben, on donne des petits coups de marteau parce qu'on ne veut pas créer trop de vibrations euh, à l'intérieur du bâtiment. Victor trouvait très important de générer une ambiance avec euh, un traitement mural. L'idée d'intégrer les arts à l'architecture comme telle, et non pas simplement accrocher une sculpture, a toujours été présente dans à peu près toutes les œuvres de Victor Prusse. C'était une conviction de base chez lui. Les éléments de béton que vous voyez, ce sont des éléments très classiques. Le bâtiment lui-même a une forme très classique. Et la raison d'être de ces panneaux de béton euh, opaques, c'était de pouvoir laisser la place à l'intérieur au triptyque de Jordi Bonnet qui donne sur les foyers. C'est la principale raison d'être. Une raison secondaire aussi, c'est que si on avait vitré tout ça, euh, le paysage qu'on aurait vu entre les entraques n'aurait rien eu, rien eu à voir avec le contenu des spectacles comme tel. Ça, ça, ça aurait été un peu ce qu'on voit à la télé lorsqu'on regarde un film et tout d'un coup, brutalement, on nous impose des commerciaux. Donc c'est exactement le contraire que voulait faire Victor Prusse. Il voulait assurer une continuité pendant les, actes, les entraques avec ce qui se passait dans, dans, les, dans les salles. Il cherchait cette euh, évocation. Un peu immatériel et à la fois multidimensionnel, évocation qui pouvait susciter chez le spectateur une unité entre le spectacle lui-même et les entr'actes. Que ce soit une pièce de théâtre ou un concert euh, symphonique ou un autre événement, que le spectateur puisse prolonger en cours d'entr'acte l'atmosphère du spectacle en tant que tel. Et c'est pour ça que Victor Proust est allé le chercher. Là. La possibilité, dans son expression artistique, d'évoquer ce que l'observateur veut y trouver. L'art de Jordi Bonnet, c'était un art évocateur. Son œuvre était toujours suffisamment euh, abstraite pour que chacun y retrouve ce qui correspond à son état d'âme. C'était le but, ça. De, du travail de Jordi Bonnet. Et c'est la grande caractéristique de l'œuvre de Jordi Bonnet et c'est ce qui fait la force du triptyque qu'il a fait au grand théâtre. La murale de Jordi Bonnet, c'est une œuvre majeure de Jordi Bonnet. C'est un des exemples euh, d'intégration des arts à l'architecture probant. Et c'était aussi toute... Un élément dans l'inauguration du Grand Théâtre qui a fait énormément parler, euh, alors qui a attiré beaucoup d'attention euh, avec euh, des points de vue différents sur ce qu'on pouvait exprimer dans une institution culturelle, dans une œuvre et ce qu'on pouvait pas exprimer. Alors euh, ça, ça a fait euh, une revue de presse très impressionnante sur ce, sur ce sujet-là. C'était beaucoup, si on veut, les gens plus conservateurs qui trouvaient ça épouvantable, une citation comme ça, sur cette murale euh, qui, était pas, qui était incomprise à l'époque, qui aujourd'hui est considérée comme un des, des, des grands chefs-d'œuvre, <laughs> si on veut, que, qui, qui, qui est dans l'écrin du, du grand théâtre. Mais euh, euh, je pense que Jordi Bonnet a été un petit peu euh, éclipsé par euh, Claude Péloquin à cause justement de cette affaire Alors, nous, les jeunes, ça ne nous impressionnait pas, puis on était plutôt sympathiques à cette idée-là parce que c'était le parolier de Charles Lebois. Puis on était les, on Robert c'était l'idole de la chanson québécoise à l'époque pour les gens de mon âge. C'est sûr que tout à coup, ça, ça, nous autres, on, on, on trouvait bien des justificatifs, si on veut, à cette chose-là et que ça avait sa place parce que c'était le gars qui écrivait des chansons pour Charlebois. On a il y a déjà plusieurs années, commander une œuvre à un artiste sans lui imposer de contraintes. Par conséquent, l'artiste a présenté ce qu'il a produit, et euh, je ne vois pas comment aujourd'hui, à moins qu'il le veuille, on puisse lui imposer de modifier. La murale de Jordi Bonnet est un admirable poème à la vie et à la mort. Je n'ai pas l'objection de vous dire non plus que moi, personnellement, ça ne me choque pas. Euh, je trouve que cette inscription correspond à l'esprit contestataire du temps. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises, pour ma part, je préfère des inscriptions sur les murs que des bombes dans les rues. Et puis finalement, euh, la, la décision a été prise en faveur de la liberté d'expression artistique. Ça, ce qui était un gros moment euh, à cette époque-là, on était quand même encore, là, on sortait à peine là, de l'encadrement religieux très strict. Euh, qu'on qu connaissait au Québec. Alors là, c'était vraiment un coup d'éclat. Et ça se fait pas dans un petit théâtre privé, ça se fait dans une l'institution euh, en art vivant de Québec. Mais il y avait cette murale-là qui, qui, qui est une œuvre absolument gigantesque, mais magnifique, spectaculaire et, et une œuvre qu'on gagne aussi à regarder et à prendre le temps d'analyser. Mais cette œuvre-là, elle fait partie prenante de l'architecture. Contrairement à des œuvres d'art, des fois qu'on fait, qu'on pourrait enlever et replacer, celle-ci, elle a été conçue de manière à épouser l'architecture et l'architecture lui sert de canevas. C'est un processus qui s'est fait euh, sur place lors de la création même du Grand Théâtre. Mais on a dû simplement ériger un, un treillis métallique et Jordi a fait euh, sa murale directement à la main, avec son bras gauche d'ailleurs sur avec, avec du béton sur le treillis métallique en insérant des différents éléments en, en complément. C'était une contrainte une contrainte immense parce qu'on ne pouvait enlever absolument rien de l'extérieur sans intervenir sur l'œuvre intérieure. Le jour qu'on nous a annoncé qu'on était sélectionné pour faire le projet euh, ici, puis pouvoir participer au processus de sélection parce que c'est un processus de concours, euh, bon, bien entendu, un, il y avait une euphorie parce qu'on était content d'intervenir, mais tranquillement, euh, c'est vite mis en place une espèce de sentiment de. de euh, comment je pourrais dire, une espèce de pression qu'on s'est mise à nous-mêmes, d'humilité, parce qu'on intervenait sur un bâtiment très fort à Québec, très présent. C'est quand même le grand théâtre de Québec. C'est notre institution culturelle à Québec. C'est un édifice fort. Donc, lui aussi avait cette pression-là. On est quand même sur René-Lévesque. On est à proximité du Parlement, le Parlement est à côté de nous. C'est l'histoire de l'architecture d'intervenir de, sur des bâtiments existants, puis on est de plus en plus appelé, comme architecte, à intervenir sur des, des, des bâtiments existants, parce que, euh, bon, la, la, la ville est construite quand même. C'est un bâtiment du patrimoine moderne. Il y avait tout le défi là, de, de le respecter puis de le comprendre, là, au niveau de sa volumétrie, ses, euh, ses proportions, sa structure, euh, l'aspect architectural, mais aussi technique, euh, qu'il fallait régler. Donc, euh, il y avait un beau euh, défi, euh, puis un, un attrait à ces deux euh, niveaux-là. Ce qu'on a fait au tout début euh, du, du processus, c'est un processus de concours euh, en, des, en première phase, c'est de comprendre vraiment la, la structure interne du Grand Théâtre, comment il fonctionne. Donc, c'est un projet qui est très simple en plan, c'est très, très simple, c'est un projet classique, hautement classique. Lorsqu'on l'analyse, c'est vraiment un projet qui, qui est fait... Euh, d'une série de séquences ou d'actes qui part de l'acte de l'acteur jusqu'à l'acte extérieur. Donc c'est un peu comme une poupée russe qui s'imbrique une dans l'autre. Le premier acte, c'est vraiment celui de l'acteur, celui qui est sur scène ou, ou des acteurs ou, ou du musicien qui est sur scène. C'est le premier qui est sur la scène. Le deuxième, c'est cette grande salle qui est magnifique d'ailleurs, qui, qui est spectaculaire. Puis on a eu la chance de se promener au dernier étage euh, à travers toute cette mécanique qui est cachée là. Donc ça, c'est le deuxième acte. Le troisième acte, c'est ce foyer qui vient englober cette grande salle aussi. Donc là, on parle d'un acte public. C'est l'acte où on, nous, comme visiteurs, on vient comme spectateurs et c'est là que nous, on se donne un spectacle. Le quatrième est celui de l'enveloppe. C'est l'enveloppe de béton qui vient recouvrir cet ensemble. Et c'est à ce moment-là que le, le projet s'est terminé. Victor Prus a fait quatre actes architecturaux, partant de l'acteur jusqu'à celui lui, qui est celui de la réponse à la ville. C'est l'enveloppe extérieure. Cette compréhension-là des différentes composantes, que ce soit à partir de son implantation euh, sur la colline parlementaire, que ce soit sa matérialité, sa composition, euh, dans le fond son expression, cette réflexion-là, cette compréhension-là qu'on a eue du bâtiment a servi euh, tout au long du processus de conception jusqu'à la réalisation et jusque dans les moindres détails. En processus de concours, on avait eu euh, dans le design brief, c'est-à-dire dans le programme architectural, une série de, de contraintes. Ils nous ont donné des, des paramètres d'intervention. Ces paramètres-là étaient de préserver, entre autres, l'apparence extérieure du projet le plus possible, voire même de, de ne pas y toucher. Un autre était, d'autres paramètres étaient des paramètres de préservation architecturale, des paramètres techniques. Euh, ce qui nous a apporté euh, plusieurs défis, c'est sûr, en tout début de pro projet. Euh, ce qui nous a forcé à y émettre plusieurs hypothèses aussi. On s'est dit, bien, il y a un problème de migration d'humidité, un problème technique, on va isoler. On ne pouvait pas isoler. Donc, si on avait isolé, on aurait seulement grossi le volume du Grand Théâtre. On aurait rajouté environ 30 cm d'isolant partout pour résoudre le problème. Donc, on aurait eu un, un petit bonhomme Michelin, là, finalement, là, quelque chose d'un peu plus massif. Mauvaise solution, et ça ne résolvait pas les problèmes au complet. Deuxième solution, c'était celle de dire, bien, on pourrait peut-être apposer et venir épouser intégralement la forme du grand théâtre avec euh, juste une lame d'air, donc peut-être à 30 cm, et créer une espèce d'enveloppe très resserrée dessus. Euh, cette solution-là était beaucoup plus complexe, onéreuse. On comprend qu'on avait probablement quadruplé les surfaces de verre avec tous les petits angles possibles et imaginables. Donc, plus on avançait, plus la solution devenait de plus en plus simple, et, mais de plus en plus présente aussi, parce que là, ça, ça transforme encore plus le projet. Là, on, on, on vient le recouvrir, on, on vient... On empiète, on rajoute cet acte-là. Au final, la seule et unique solution, c'est quasiment de prendre le projet et de venir complètement le protéger. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en cours de processus de concours. Et c'est dans cet esprit-là que le projet s'est développé par la suite, de rajouter cette cinquième strate, un, un nouvel acte à l'oeuvre de Victor Pruss. Et cet acte-là, ben on le voulait aussi transparent. On voulait qu'il s'inscrive dans cette continuité euh, historique, avec des moyens d'aujourd'hui. On, on crée un rappel, finalement. Donc, le cinquième acte est celui de la peau de verre, de cet écrin de verre-là qui vient s'ajouter pour protéger l'ensemble. Donc, de l'œuvre architecturale initiale qu'on protège, s'ajoute cet écrin de verre le plus transparent possible, mais c'est quand même rattaché à l'ensemble jusqu'à la plus petite échelle de l'acteur qui est sur scène à l'avant et qui fait sa, sa représentation. -là. Donc, c'est cette notion de continuité qui, qui pour nous, est intéressante d'un point de vue conceptuel, bien entendu. Mais quand même, on reprend exactement les mêmes principes structurels, les mêmes principes architecturaux que ce que l'entreprise a mis en place. C'est un écran en verre, littéralement, c'est un écran de haute technologie qui vient préserver un édifice existant. Et cet écran-là est une solution qui coûte beaucoup moins cher que d'avoir eu à refaire l'enveloppe puis à revenir mettre des, des, des systèmes temporaires. C'est une solution qui vient de rendre pérenne euh, l'ensemble de l'enveloppe qui est autour. C'est comme s'il avait pris le grand théâtre puis qu'il l'avait emmené en Floride. Donc, tu crées un microclimat à l'intérieur de ça qui fait en sorte que la température ne soit jamais en bas de 5 degrés. Donc, le, tout le, le cycle gel-dégel qu'il y a dans l'enveloppe, euh, ça n'existe plus. Et c'est une des seules beautés du béton, c'est qu'à partir du moment où tu enlèves le, le phénomène gel-dégel, il reste beau. Comme le béton à l'intérieur, il reste beau. Il y, a peu, euh, il y a peu de projets là, qui ont bénéficié d'une solution aussi drastique à travers le monde. Euh, puis je crois même qu'on est probablement un des premiers à l'avoir poussé aussi loin. La température est maintenue stable dans l'enveloppe parce qu'il y a des. Euh, D'abord, il y a une vingtaine d'unités de ventilation sur le toit qui permettent d'extraire la chaleur euh, l'été ou de ventiler quand ça surchauffe trop. On peut sortir l'air. Et il y a des ventilo-convecteurs installés partout sur le périmètre. C'est tout contrôlé à partir d'un ordinateur central qu'on a. Donc, on, on, on contrôle la température, on contrôle la, la vitesse des ventilateurs, etc. Donc, on est capable de maintenir la température à peu près égale partout dans l'enveloppe. Le, et la beauté de la chose, s'il fait trop chaud du côté sud, maintenant en hiver, on peut prendre l'air et l'envoyer du côté nord qui fait froid. Donc, il y a une notion d'économie d'énergie aussi là-dedans. J'ai vu une fois un petit temple, euh, un, petit temple un, un petit bâtiment à San José au Costa Rica, mais il l'avait mis dans un bâtiment, littéralement dans un bâtiment. C'est une stratégie qu'on utilise parfois pour des, des vestiges ou des, des choses comme ça. Mais pas de cette manière-ci. Parce que ce qu'on est venu créer, nous, c'est une, une double enveloppe. Une enveloppe, c'est un système mécanique de ventilation qui est transparent. C'est littéralement ce qu'on a créé. Donc dans cette, cette optique-là, c'est presque une première mondiale. Donc euh, c'est quelque chose de relativement unique. C'est une recherche et une innovation qu'on a fait euh, tous ensemble. Il faut. Euh, que le système développé, c'est vraiment un système sur mesure euh, qui n'a pas été euh, acheté dans un catalogue. Là. Il y a souvent euh, des produits qu'on achète euh, ou qu'on spécifie qui sont euh, existants, qui ont été conçus euh, dont la recherche et le développement est fait. Mais dans ce projet-ci, on s'est trouvé en quelque sorte à faire la recherche et le développement d'un nouveau système de d'attache du verre qui était suspendu par le haut, puis qui permettait de limiter les coûts parce que les les de verre n'étaient pas perforées, euh, puis les plaques d'attache étaient seulement installées dans les coins, dans les joints des verres. Donc ça, c'était un, un grand défi de, 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 de concevoir ce système-là, puis que tous les détails fonctionnent dans l'ensemble. Et puis là, finalement, euh, les architectes ont décidé plutôt de suivre, de s'intégrer encore plus à l'œuvre de Victor Prusse, en faisant une structure principale qui longe les anciennes colonnes euh, du grand théâtre, sort par le toit et vient accrocher le verre qui lui est simplement attaché dans une dentelle d'acier. Alors ça, c'était une première, de suspendre du verre au lieu de l'installer sur une, une structure. Euh, et ça a été euh, tout un défi à réaliser. Il y a eu différents défis de construction, euh, à commencer par le fait que le bâtiment devait demeurer opérationnel pendant toute la durée des travaux. Là, on est en milieu urbain, très achalandé. C'est énormément de, de trafic automobile, énormément de trafic piétonnier et d'autobus, et 300 000 spectateurs euh, qui viennent comme 325, 325 occasions au grand théâtre. Donc, il a fallu réfléchir à une séquence de mise en œuvre qui allait assurer euh, la continuité des prestations. Donc, euh, pour ça, ça, ça a affecté évidemment euh, la réflexion. Par rapport à l'intervention, comment on peut intervenir Est-ce qu'on peut le faire euh, de manière euh, extérieure seulement, en préservant les entrées, les accès, euh, en diminuant les risques de bruit euh, On sait que le théâtre vit de soir, avec les, les, principalement avec les prestations, mais il y a aussi euh, toutes les répétitions qui sont effectuées de jour. Donc, il fallait s'assurer que pendant tout le processus de réalisation, on allait préserver cette intimité intérieure là qui est essentielle. Le chef d'orchestre voulait pas entendre du bruit. Donc, il fallait que l'entrepreneur nous donne des ma manières de faire, de procéder pour réduire euh, les impacts au niveau des opérations du grand théâtre. Au niveau des activités, bien, on s'est entendu avec les résidents. Souvent, l'opéra répétait plus le soir. Euh, au niveau de entrepre des entrepreneurs, euh, ça a été euh, des, de faire des demi-journées, de réussir à faire euh, des journées de 4 heures ou de rentrer plus tôt le matin, faire le bruit euh, le matin. L'orchestre commençait à répéter. Un exemple, quand l'orchestre commençait à répéter, il faisait des travaux qui ne faisaient pas de bruit. Après ça, dès qu'il prenait une pause, il faisait du bruit. Ça fait que ça a été. Euh, au quotidien, c'était <laughs> de la coordination avec les services scéniques et l'entrepreneur. À chaque fois que je passais dans le coin, je faisais un détour pour venir voir ce s'ils ont reçu une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Euh, tous les soirs, que je pouvais être possible, que je pouvais venir dans le coin, je venais regarder. Pourquoi? Parce qu'on veut voir l'évolution du projet. On veut voir comment il se transforme. Et si les hypothèses qu'on a émises sont réelles. Le fait de s'arrimer sur un projet, c'est une bâtisse existante. Euh, déjà, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Puis, assurément, euh, ça a mis euh, beaucoup de pression sur l'équipe de projet, autant concepteurs qui étaient de notre côté que l'équipe euh, chantier qui faisait l'installation. Puis les, les, les entrepreneurs spécialisés dans chacun de leurs leur domaines, principalement... Euh, structure d'acier et euh, verre parce que l'inconnu restait en, au niveau justement de ces deux principaux de, deux principales disciplines là parce que euh, d'accrocher du verre sur de la structure d'acier c'est quand même assez, euh, assez complexe puis avec notre partenaire en structure d'acier on a développé une solution euh, intelligente plus économique le système de lestage de lestage vient du fait que la, on devait ajuster la structure d'acier lors de son installation en fonction comme si le, le verre était installé après, parce que le verre était assez lourd et euh, comme si toute une structure légère, il y avait des déplacements anticipés et anticipables de la structure sous le poids du verre. Donc, il fallait simuler ce poids-là pour ajuster notre structure. Euh, le lestage de lestage, en fait, permettait de mettre sous tension euh, l'ensemble des éléments structuraux, comme si, finalement, nous avions appliqué tous les morceaux de verre qui allaient former la nouvelle enveloppe. Euh, sur le Grand Théâtre. C'est comme, comme si nous les avions déjà mis sous tension sur la structure. Euh, moi, j'avais prévu un système avec euh, euh, du liquide dans des barils. Et ça s'est avéré trop laborieux, la manipulation de ces liquides-là. Ça finit qu'on a simplifié euh, le processus énormément. Mmh. On a utilisé des cages euh, dans lesquelles on mettait des sacs de sable et des demi-sacs de sable. Donc, les sacs de sable, eux, avaient un poids qui correspondait à celui des plaques de verre. Donc, je disais, une plaque de verre environ 1000 livres. Donc, tout ça était imaginé et suspendu sur les éléments structurels pour permettre un ajustement d'équerre. Euh, on est à des précisions au millimètre près. Donc, tout devait être vraiment en place parfaitement avant de pouvoir mettre un verre. Et une fois qu'on mettait un verre, on enlevait le, le nombre de, de sacs de sable qui correspondaient au poids de celui-ci. Donc c'est encore une fois, c'est de trouver des solutions avec les moyens qu'on a. Ça fait partie de la, des, des challenges qu'on a lorsqu'on est une équipe de professionnels ensemble. On n'a pas jamais de budget illimité, ça n'existe pas, ça n'existe pas en art de toute façon. En tout cas, je, moi j'ai jamais connu ça. processus de recherche création comme ça, même si tous les scénarios sont envisagés, euh, parfois il arrive des surprises, des surprises qui peuvent être plus ou moins grandes. Un élément qui n'avait pas été imaginé, euh, c'est euh, la dilatation thermique des, des éléments. C'était un risque calculé d'installer une structure d'acier pour poser du verre. On l'a vu quand on a commencé à installer les premiers panneaux de verre. La structure d'acier était bien, assez bien ajustée. Et dès qu'il a commencé à installer les premiers panneaux de verre, il a commencé le matin, le soleil était, était couché. Au cours de l'installation, euh, en fait, les structures étaient installées sur place, étaient ajustées pour que chacune d'elles, avec euh, toutes euh, les, les, les positions des attaches des verres, soit située de niveau euh, sur l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est arrivé dans des situations hivernales ou printanières où on commençait à faire d'installation de, de certains verres sur des baies. Tout était d'équerre ajusté au millimètre près avec le laser. Et finalement, on se rend compte que dans un intervalle de quelques heures, juste le fait que le soleil lève, vienne plomber sur la structure, la fasse chauffer un peu. Il y a une dilatation qui est créée. Et là, il y a un désajustement qui se crée parce que là, on parle plus de trois millimètres environ. Là, on parle de presque 20 mm. Euh, donc là, on est vraiment euh, en état de choc, on n'est plus capable de mettre des verres, donc là on réfléchit, mais comment on va être capable de l'installer. C'est un défi euh, assez, euh, assez laborieux, d'autant plus que la, les colonnes de béton existantes sur lesquelles on s'attachait. Dans la période de construction, se trouvait à l'extérieur du bâtiment, donc était sujet, elle aussi à des variations de température. Mais la masse faisait en sorte que même si dans la journée ça réchauffait, l'acier qui était attaché, elle, étant beaucoup plus mince, euh, est exposée beaucoup plus à l'élongation que le béton, lui, la masse faisait en sorte que le, son temps de réchauffement était beaucoup plus long. Donc, le, le, le mouvement différentiel était difficilement estimable. En plus du fait que a, le Grand Théâtre est entouré de gros arbres, des arbres assez majestueux, qui créaient de l'ombre partielle. Il y a des côtés de bâtiments, exemple, qu'on ne pouvait pas ajuster le matin parce qu'il était exposé au soleil. L'entrepreneur en, en structure d'acier, on a eu pour euh, à peu près deux mois, deux mois et demi, juste à trouver une façon de faire que quand il commence à ajuster sa structure le matin, le soleil sort, les colonnes s'allongent jusqu'à 15 mm. Chacune des façades avait ses problématiques. La façade la plus facile, c'est la dernière. Pas à cause que c'est la dernière, c'est parce qu'on a fini par Jacques Parizeau, puis elle, elle est contrainte. Le soleil se lève d'un bout, puis il, il se couche à l'autre bout. Donc, les, les variations thermiques sont beaucoup moins présentes. Euh, on le vivait quand on installait ici, hein, peu importe la saison. Euh, vous pouvez le vivre, vous avez juste à aller sur euh, la façade René-Lévesque. C'est une autre saison. Je parle de la même journée. Là. Vous allez aller sur Clairefontaine, qui est rarement exposée au vent. Euh, elle, puis que le soleil, mettons le matin, il fait très, très chaud. Vous allez sur un éleveur, op, ça prend une veste. Ben, la structure, la dilatation, là, ben, la structure le vivait aussi, ça. Hmm. C'est ce qui a beaucoup étiré euh, la durée des travaux. Euh, il a fallu le faire à des moments où, justement, on n'avait pas cette. Euh cette dilatation thermique-là. À un moment donné, on s'est rendu compte que le projet il prenait un peu plus de temps, puis parce qu'il vu sa complexité. Puis on s'est assis avec le Grand Théâtre, avec les clients, pour euh, le, 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 présenter l'état des faits. Puis l'objectif commun à chacun, ça a été de livrer un projet de qualité. Donc, euh, dès qu'il y avait un peu trop de vent, on descendait les plaques de verre au sol, on arrêtait le chantier, on attendait que ça passe. Une tempête, on ne peut pas travailler pendant une tempête, ainsi de suite. Il y a eu plein de petites contraintes techniques, Météorologiques aussi qui sont apparus, qui ont nécessité des ajustements de, de tout le monde. Ici, on est la, le Grand Théâtre, on est sur le site qui vente à peu près le plus à Québec. Donc, euh, dès qu'il vente, euh, un panneau de verre, c'est une voile de bateau. Donc, dès qu y, que le, si le vent le, le prenait, c'était dangereux pour les, les travailleurs qui étaient dans la nacelle. Donc, souvent, il a fallu arrêter. Dès que le vent s'élevait un peu, là, il fallait arrêter. On descendait les plaques de verre au sol, on arrêtait le chantier, on attendait que ça passe. Ça prend un travail de minutie immense de tous les intervenants. Donc là, il a fallu se poser des questions, mais en gros, la méthode, la solution, ça a été de retenir les bons moments où la température est adéquate. Donc, euh, ça, c'était quand, quand il n'y avait pas de pluie, quand il n'y avait pas de vent, quand il n'y avait pas de neige, quand il ne faisait pas trop froid euh, ou quand euh, le soleil était euh, correct. Il y a eu un moment où on se demandait, ça a pris comme quelques mois avant de trouver la façon des assemblées. Et là, on se demandait euh, si, effectivement, on allait être capable de passer du papier à la réalité. Mais finalement, ça s'est très bien fait. Ça prend une tolérance à l'incertitude. Il y a des gens qui, qui ont besoin que tout soit clarifié euh, bien comme il faut. Puis il y en a d'autres qui sont plus. Euh, qui vont qui vont avancer même si tout n'est pas clair. Parce que les gens créatifs, c'est des gens qui tolèrent l'incertitude, qui, qui sont capables d'essayer, de, de, d'aller vers des chemins euh, hors des sentiers battus. Alors, euh, premièrement, ça prend une, une espèce de. Confiance quelque part. Tu Il sais, faut, euh, faut avoir confiance. Bon, On avait quand même des professionnels, tu sais, Pomerlo, les ingénieurs, euh, euh, tous les ingénieurs dans chaque domaine, les architectes. On était, euh, on était bien équipés. Puis les, les spécialistes qui se sont ajoutés au projet. Donc, si tu, tu, tu mets le bon monde autour de la table, on devrait réussir. Donc, c'est c'est de faire confiance jusqu'à temps que whoop, des problèmes graves arrivent, et puis aussi d'induire ça, c'est-à-dire comme ambiance. T'sais, de ne pas être... Bon, mais quand est-ce qu'on va... C'est quoi? Là? On ne le sait pas encore. Il, il faut favoriser cet espace de création qui est, qui est, qui est dans, le, dans le flou jusqu'à temps que là, les idées là, se précisent. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le milieu artistique, dans le fond, la création d'un spectacle, la création d'un film. Mais ce processus de conception-construction permet justement d'avoir dans le temps euh, des temps d'arrêt, d'essayer des choses, de faire des échantillons à l'échelle réelle, euh, de s'interroger est-ce que c'est la bonne euh, solution. Euh, parfois, on fait deux pas en avant, on recule un pas en arrière. Euh, c'est un processus, c'est un cheminement. Mais euh, c'est bénéfique dans le sens où euh, ça nous permet justement cette exploration-là. Euh, ça nous permet dans le temps euh, d'essayer des choses que normalement on n'aurait peut-être pas l'occasion de faire. Euh, comment on se sent euh, à la fin du projet? Bon, premièrement, euh, soulagé euh, d'avoir réussi à faire le projet dans les budgets. Alors, ça, c'est une grande réalisation parce que point de vue échéancier, à cause de la complexité du projet, le projet était deux fois plus long que prévu. Puisque ça n'interrompait pas les opérations, l'allongement du chantier, de la durée du chantier, n'a pas eu d'impact sur notre capacité à diffuser des spectacles. C'est mon plus beau moment dans toute cette aventure-là. C'est quand une fois que les premiers verres ont été posés. Et que là, avec l'équipe de Pommerlot et l'équipe de vitroly laberge on a pris un verre. <laughs> ça a été là ça voulait dire OK, ça marche, la solution marche, on peut, on peut avancer. Puis là, l'attention la de tout le monde a diminué. Là. Ça, ça a été un des plus beaux moments. Le premier hiver aussi euh, où l'enveloppe était partiellement installée, où on a eu des tempêtes, du vent énorme. Euh... Et, et, et la structure, même pas complétée, l'enveloppe même pas fermée, a résisté à tout ça. Alors, ça, c'est très confortant. Le projet, pour moi, ça a été une réussite parce qu'on a atteint l'objectif de l'enveloppe, puis euh, on, on a vraiment réussi à respecter l'idée de départ. Euh, pour moi, pour y arriver, ce que j'en retiens, ça a été le travail d'équipe qui a joué un grand rôle, le travail d'équipe. En conception-construction avec les, les différents sous-traitants, euh, les différents professionnels, euh, l'entrepreneur, les différents professionnels maîtres même qui étaient engagés par le Grand Théâtre. Donc, euh, le, la force du travail d'équipe, je dirais. Mes sentiments sur un projet comme ça, on a toujours le, la, la fierté de livrer, mais encore plus quand c'est un c'est un monument comme le Grand Théâtre. Puis qu'on qu n'entende pas de... tu sais, nous, on veut, ne on veut pas trop faire de... de de publicité, Des fois avec nos projets, on veut juste, juste qu'ils qu qu répondent aux besoins du client. C'est ça l'important pour nous, c'est que le client soit satisfait, soit content, puis que le résultat, que la population va l'adopter. Un jour, j'étais sur le boulevard René-Lévesque et il y a quelqu'un qui reste dans le quartier qui est venu me voir. Ça qu'il m'a demandé si je travaillais ici, si je travaillais sur le projet. Puis la personne m'a expliqué qu'il était un des résidents du quartier qui était contre le projet, puis qu'il se disait Ça sera pas beau, ça sera pas beau. Puis là, il venait me dire, finalement, que c'était trompé, que ça allait être beau. <laughs> que... C'est que si maintenant vous faites le tour du Grand Théâtre aujourd'hui, vous avez quatre perceptions du Grand Théâtre qui est totalement différentes. Dans ce cas-là, on avait une seule perception. Il y a les jeux d'ombre et lumière, là. mais si je suis sur la façade-là, là maintenant, on la voit complètement. Si je suis sur la façade, sur le côté où -ce que le soleil commence à, à plomber, elle est en réflexion, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un peu plus de mystère. Faire le tour du Grand Théâtre maintenant, puis de le regarder à des moments différents, à des moments le jour, le soir, quand il fait soleil, quand, que, quand le soleil tombe dessus ou la lune, de, de voir ces moments très changeants du grand théâtre maintenant. On a allant le soir, je dis il est présent parce que l'éclairage intérieur va être plus grand et au-delà de, de ce regard-là, on espère que même les gens vont regarder le projet puis vont se mettre à comprendre aussi l'œuvre de Prus. En fait, je retiens de ce projet-là euh, que c'est euh, important de prendre le temps de bien faire les choses. C'est une chose que j'ai apprise dans ce projet-là et je pense que plusieurs acteurs partage avec moi, euh, autant le client que le constructeur, euh, le fabricant. Euh, tout le monde avait la volonté de créer un projet d'excellence, euh, un projet d'architecture de qualité. On savait qu'on intervenait sur un bâtiment emblématique d'importance. Il fallait que la solution soit à la hauteur de, du bâtiment patrimonial. Donc, tous et chacun avons pris euh, sur nos épaules euh, ce, cet objectif-là de, de réussir à atteindre un niveau c'est facile d'avoir une idée euh, faire des belles images des, des, une architecture de pixels comme je préfère dire c'est très simple mais la réaliser dans, dans un commande concret avec un budget mais la réaliser aussi dans des contraintes techniques d'opérations avec euh, euh, de, de préserver l'édifice existant de préserver les fonctions préserver les opérations ne pas nuire à la, à la pratique qui a lieu euh, dans la, la grande salle parce que le, le chef entend lui du marteau piqueur ce sont un paquet de petites contraintes qui s'accumulent, mais qui sont là, qui sont présentes, qui sont tangibles, qui font que le projet continue, évolue, prend un petit peu plus de temps à réaliser. On, on voit très bien aujourd'hui que ça vaut la peine d'investir ce temps-là, de prendre le temps de bien faire les choses. Aujourd'hui, les échéanciers sont beaucoup serrés. Euh, sont très serrés, on nous demande de prendre des décisions rapidement. Ça compromet, selon moi, euh, la qualité, euh, la finalité de l'intervention qui se veut pourtant pérenne dans le temps. Euh, donc, nous, on est intervenu sur un bâtiment de 50 ans. On souhaite que cette nouvelle intervention-là demeure aussi 50 nouvelles années au moins. J'aurais beaucoup aimé, en cours de route, euh, dans le processus, avoir au moins un dialogue avec Victor Prusse. Et malheureusement, M. Pruss est décédé. On venait d'avoir le mandat, ou presque, là, puis on n'a pas eu la chance de le rencontrer. C'est quelque chose, moi, qui. qui, qui... C'est ma petite tâche euh, que, que j'ai personnelle, qui, qui, qui me fait quelque chose. Que J'aurais aimé ça, avoir la chance de lui présenter, juste pour pouvoir partager. Euh, car... Regardez, M. Pruss, euh, on, on préserve votre œuvre. Ça... On ne veut pas la défigurer. On est obligé absolument d'intervenir dessus. Et notre solution, elle s'inscrit dans, dans la continuité conceptuelle que vous avez mise en place, avec tout le respect et l'humilité. Parce qu'ultimement, on aurait aimé mieux ne rien faire. Ultimement, si on avait réussi à trouver une solution qui permettait d'absolument de, de, ne pas intervenir sur le projet sans changer l'apparence, c'est la première solution que j'aurais choisie. Dans, dans la construction, la conception du Grand Théâtre, la murale était protégée euh, par son enveloppe extérieure. Euh, paradoxalement ou ironiquement, euh, dans ce projet-là, bien, finalement, c'est la murale qui a sauvé les murs extérieurs. Alors, parce que vu qu'on pouvait pas toucher à la murale, parce qu'on aurait pu changer les panneaux de béton s'il n'y avait pas eu de murale. Euh, alors, la murale nous a obligés à respecter l'intégrité de l'œuvre. Un beau retour des choses, que l'artiste sauve l'architecte, après que l'architecte ait fait de la place à l'artiste.